conversations, des sourires et des chansons, des soupirs et des frissons, y'a des haines et des pardons, des secrets, des ambitions, des amis, des trahisons, des tourments, des émotions, des joies, des peines. Sympa d'être venu me voir. Tu veux que je t'offre quelque chose à boire ou on va quelque part? En fait, je suis venu te voir pour te demander quelque chose. Hier matin, j'ai voulu t'en parler, mais avec tout le monde qui avait autour et le chambardement qui a suivi. Oui, bien sûr, je comprends, Arthur. Ce que je voulais te demander, c'est... Oui, quoi? Tu peux m'aider à voir ton frère? T'aurais mieux fait de me donner ton fric, au lieu de te faire lessiver au casino. Ton boss s'est offert mon appart, ça couvre largement ma dette, non? Tu oublies les intérêts. Il te reste 3 jours pour payer, qu'est-ce que tu comptes faire? J'ai une solution. Vaudrait mieux. Et pourquoi je t'aiderais? Fais plaisir à ton frère, joli petit Isa. Tu l'aimes bien ton frère, non? Ouais, quand il dort. Écoute, Isa, ça me rendrait vraiment service. Et si je me fais piquer? S'il te plaît, ça me ferait très plaisir. S'il te plaît. Bon, d'accord. Qu'est-ce que je dois faire? Écoute, c'est très simple, je vais t'expliquer. Mais maintenant, ma belle, j'ai une dette envers toi. Tu te fous de ma gueule? Comment tu comptes t'y prendre pour monter cette arnaque? Ton frère ne te fait absolument pas confiance. T'as aucune chance de toucher à ce fric. Attends, moi c'est vrai. Mais j'ai quelqu'un qui peut le faire à ma place. Ah oui? Qui? Son fils. Tu veux mettre ton neveu dans le coup? Il ne marchera pas. Mais il n'en saura rien. Il sera qu'une petite marionnette. Là, ça me parle. Mais tu sais, t'es une belle ordure. J'aimerais pas t'avoir pour frangin. Mon frère a passé sa vie à pourrir la mienne. Un jour ou l'autre, tout se paye. Bon alors, c'est quoi ce plan pour mes examens, là? C'est les codes pour entrer dans l'ordinateur de l'académie. Il y a tous les sujets là-dedans. T'es sérieux? Mais comment t'as eu ça? Avec un peu de fric, on a tout ce qu'on veut sur le net, man. Alors, ça te tente? Ok, je marche. Tu me files les codes? Oui. Attends, je les ai pas eu gratuitement, ces codes. D'accord. Combien? Un max, mon pote. Un max. Je me suis emporté hier, Adrien. Je voudrais m'excuser. J'ai réfléchi, tu as raison. C'est dangereux d'investir en ce moment. Surtout qu'il nous manque beaucoup d'informations sur l'affaire qu'on te propose. C'est vrai qu'on pourrait gagner pas mal, mais c'est risqué. T'as raison, je vais essayer d'avoir d'autres éléments. Parfait. Et si c'est rentable, on ira. Maintenant, je peux te dire quelque chose sans que tu t'énerves? Ça dépend, vas-y. Tu as tort de ne pas avoir confiance en tes proches. Et je ne te parle pas que de moi. Tu veux me parler de Ludovic, c'est ça? Tu vas pas recommencer, Stéphane. Les décisions que je prends pour mon fils ne concernent que moi. Je peux quand même te donner mon avis. Écoute, pour être franc, je crois que ton fils a le même problème que moi à son âge. Rappelle-toi, plus tu me mettais la pression, moins ça marchait. Tu ne veux pas qu'il commette les mêmes erreurs que moi? Pas particulièrement, non. Alors change de tactique. Aide-le, au lieu de lui crier dessus. Essaye de le comprendre. Rassure-le, donne-lui sa chance. Je lui ai suffisamment donné de chance comme ça. Le problème, c'est qu'il ne veut rien foutre. Non. Non, le problème, il vient de toi, Adrien. Mais descends de ta tour d'ivoire. T'as une tellement haute opinion de toi-même que tu crois qu'il n'y a que ton point de vue qui compte. Oh, c'est du paternalisme à l'état pur.
En agissant comme ça, t'empêches les gens d'avancer. Dès que mon père m'aura rendu mes cartes de crédit, je te paierai. T'auras assez de trucs pour ça? Écoute, je te garantis que si je réussis mes examens, j'aurai tout le fric que je veux. Alors ça marche? Ludovic file un mauvais coton. Je le sens. Il y a des jeunes qui réagissent mal quand on les force. Et c'est autre chose. Et quoi? Il veut bosser. Laisse-le bosser. Pas tant qu'il n'aura pas ses examens, c'est hors de question. Non, attends, laisse-moi finir. Juste pendant les vacances scolaires. Ça lui mettra du plomb dans la tête. On peut bien lui trouver un poste dans la boîte, non? Je sais pas, il est tellement immature. Mais justement, mets-le à l'épreuve. Il verra vite que travailler n'est pas aussi facile qu'il le croit. Il va faire n'importe quoi. Mais non, mais on sera là, on le surveillera. Et puis, pas de traitement de faveur, hein. Tu le fais crouler sous le boulot, tu l'empêches de souffler, tu lui colles le pire des chefs d'équipe. Eh bien, crois-moi qu'avant la fin des vacances, il te suppliera de le laisser retourner à ses études. Voilà mes notes de frais, Marie. C'est bien, je m'en occupe. Merci. Et alors, ma beauté, je fais quoi maintenant? On n'a pas élevé les cochons ensemble, que je sache. Je suis désolée, mademoiselle Marie, je voulais pas vous offenser. C'est sorti comme ça. Ce n'est pas parce que vous avez retrouvé mon frère au casino qu'on est devenu intime, compris? Vous avez parfaitement raison, je sais. Je suis désolée. Par contre, j'aimerais savoir quoi faire. Je sais pas, je pourrais laver les vitres, changer les ampoules. J'aime pas rester inactif. Vous avez été engagé comme chauffeur, Justin. Charles ne voudra jamais que je vous charge d'autre chose sans son accord. Bonjour, j'ai ce colis pour monsieur Charles Guillaume, un envoi des éditions Livre et Collection. Oui, je vois ce que c'est. C'est bien ici. Je charge du colis, Marie. Merci. Bon, je vais aller me reposer. Maman, tu passes ton temps à t'enfermer dans ta chambre. Mais réagis, bon sang. Ah, oh, mais je sais. Mais en ce moment, je me sens vide et inutile. Mais t'inquiète pas, je vais réagir. Tu vas parler à papa, d'accord? Peut-être. Mais toi, promets-moi de te réconcilier avec Johanna. J'aime beaucoup Johanna, mais il y a des choses que je ne peux pas laisser passer. Ah bon, vraiment? Bah, tu vois, tu me demandes un effort que t'es incapable de faire. Courtier a livré ça pour Monsieur Guillaume. Ah, ça doit être les derniers volumes des œuvres complètes de Buffon. Ah, ça, je sais pas, mais en tout cas, c'est lourd. Hein. Je pose ça où? Ben, ici, regarde, je te fais un peu de place. Il va falloir trouver un endroit pour ranger les livres de collection de Monsieur. Il n'y a plus de place sur les étagères. Mais faites attention. Les reliures de ces livres sont d'époque. Vous allez me gâcher les dorures en les manipulant comme ça. Personne ne va abîmer tes bouquins, Charles. Mais si tu tiens à les préserver, il faudrait qu'on range un peu cette bibliothèque. Il n'y a pas la place pour une épingle ici. On verra ça plus tard, j'ai pas le temps. Bah, si vous voulez, je peux vous aider. C'est vrai, ce serait dommage de laisser ça dans cet état. Et vous avez des œuvres sublimes ici. Si vous voulez, Justin pourrait descendre et nettoyer les livres, et moi, je les classerai selon vos désirs. Ça nous fera gagner du temps. Bon, très bien. Au travail. Raphaël, tu joues comme un dieu. Tu pourrais faire carrière, tu sais. Comme pianiste de bar. Mais tu vas arrêter, t'es dévalorisé. Dis-toi que tu n'es pas n'importe qui et que tu peux faire ce que tu veux.
Il suffit que tu le veuilles. Mais t'es toujours comme ça, à booster tout le monde. Seulement quand les gens marchent à reculons au lieu d'avancer. Ah non, moi c'est à tâtons que j'avance. Attends, montre-moi l'heure. Il va falloir que j'y aille. En plus, ta mère va pas tarder à arriver, alors. Ça y est, je suis prêt. On y va quand tu veux, Aurélie. D'accord. Ton frère et toi, vous formez un tandem incroyable. C'est le bon côté d'être enfermé. La musique, c'est notre fenêtre sur le monde. Oh, quel poète. Tu m'impressionnes. Toi aussi. Maman, Isa ne va pas rester enfermée ici. Laisse-la sortir avec ses amis. Désolée, Mélanie. Isa est punie. C'est totalement injuste. Je vais rester toutes les vacances enfermée parce que Ludo a raté ses examens. Alors que moi, j'ai bossé toute l'année, comme une dingue. Je le sais, Isa. Mais tu aurais dû nous parler du redoublement de ton frère, OK? Au lieu de nous le cacher. Attends, maman, si je comprends bien, Isa est punie parce qu'elle n'a pas voulu dénoncer Ludovic? C'est vrai que c'est injuste. Mais oui! Je sais, on ne dit rien à papa, et moi je lui sers de chaperon. Émilie, si je laisse Isabelle sortir avec ses copines, il est hors de question que je le cache à papa. Ça veut dire que tu acceptes? Et tu ne rentres pas trop tard, s'il te plaît. C'était super cette journée, hein? Yes, elle est cool Aurélie, hein? Ah, elle est super cette fille. Qu'est-ce que je t'avais dit? Bon, j'y vais. Je te raccompagne à ta chambre? Non, c'est bon, je vais encore rester jouer au piano. Comme tu veux. Tu m'appelles quand tu veux monter. D'accord. Je te cherche partout. J'avais besoin de te parler. Oui. Oui. Je voulais m'excuser pour hier. J'ai pas été bien. J'étais crevée, tu comprends? Non, mais t'inquiète pas, on est 3000 pour s'engueuler de toute façon. Y a autre chose. Tu connais mieux Cynthia que moi. Je voudrais qu'on parle un peu. Les romans du 19e pourraient aller sur ces deux rayonnages là-haut, qu'est-ce que t'en dis? Oui, c'est bien vu. Ouais. Tiens. Attends, je crois que l'ordre n'est pas... Ah! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que vous hurlez comme ça, Camille? Écoute, Cynthia a décidé de s'éloigner définitivement de ton père. Pour pas créer trop de problèmes dans votre famille. Je sais, j'ai entendu dire ça. Mais pourquoi est-ce que tu fais pas la paix avec elle, Christian? C'est ta sœur, après tout, même si elle a pas décidé de l'être. Quant à ce qui s'est passé hier soir, c'est de la faute de Johanna, pas de Cynthia. De toute façon, ça n'a plus d'importance. Pourquoi? Johanna et moi, on a rompu. Thank you.
Belle journée. Bonsoir. Bonsoir. Bien, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à l'Est. Je reviendrai vous voir tout à l'heure. Bonsoir, monsieur. Bienvenue. Bonsoir. Voici ma fiancée Mélanie. Mélanie, je te présente ma grande amie Alexia Duberville. Je suis ravie de vous rencontrer. Moi aussi, moi aussi. Les associés de papa sont arrivés. Je vous m'excuser. Comment tu la trouves ? J'ai un peu du mal à me faire une idée, on s'est à peine dit bonjour. Mais j'espère qu'on pourra discuter avec elle plus longuement un peu plus tard. Bien sûr. Bon bah viens, il y a du beau monde. On va leur dire bonjour, il faut en profiter. En fait, Marie est arrivée au mauvais moment. Je sais pas si Justin allait m'embrasser. J'en avais tellement envie. Tu n'es pas sûre de lui, c'est ça ? Ben, y a des fois où j'ai l'impression qu'il est attiré par moi. Et d'autres... Heureusement que je t'ai, Tati Ariane. Depuis que maman n'est plus là, tu es la seule à laquelle je puisse me confier à cœur ouvert. Je suis là pour ça, ma chérie. Et tu sais que je t'aime comme si tu étais ma propre fille. Je le sais. Et si tu veux un conseil de ta tante, ne te jette pas à la tête de ce garçon. C'est à lui de faire le premier pas. Pour moi, ce sont tes parents qui ont vraiment lancé le nouveau tourisme des Caraïbes. Ah oui ? Et pourquoi tu penses ça ? Grâce au confort des hôtels. Tu es déjà descendue dans l'un d'entre eux ? Non, jamais. Dans ce cas, tu ne peux pas dire ça. Mais si, virtuellement, je les connais. Je suis employée dans une de vos agences de voyage. Tu es responsable d'une de nos agences ? Non, en fait, elle fait une sorte de stage. Et dans 4 mois, j'obtiendrai mon diplôme et... Mélanie, elle adore étudier, même si nous, rien ne l'oblige. Quel est son nom de famille, déjà ? Laurent Rose. Je ne connais pas. Sa famille est propriété de plusieurs entreprises dans le textile. LR Diffusion, vous connaissez ? Excusez-moi. Hello, Maggie. J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas ? Je ne crois pas, ça. Je suis carrément tôle. Ouvrez-moi, j'ai faim! Maman, Philo, vous allez quand même pas me laisser mourir de faim, là! D'accord, Ludovic. Je t'apporte un sandwich, mais tu vas devoir le manger dans ta chambre. Alex, c'est magnifique! Comme d'habitude. On peut dire que t'as tiré le gros lot, toi. Elle a tout pour elle, cette fille. Elle est belle, riche et intelligente. Il y en a qui ont de la chance. Oui, à part qu'elle bosse tout le temps et que je la vois jamais, mais à part ça... Tu veux que je te dise ? Si j'avais ta chance, eh bien, je m'en ficherais. Mieux au travail ? Sage décision. Ouais. T'as besoin de quelque chose ? Je regrette d'avoir eu à me montrer si sévère, mais tu verras. Un jour, tu m'en remercieras. Travaille bien. Merci. Tes actions sont en baisse, Marc. Depuis quand tu sors avec de petits stagiaires ? C'est une étudiante. Et en plus, qui vient d'une famille très riche. Attends, ne me dis pas que tu ne la trouves pas ravissante, hein? C'est une wannabe, mon pauvre Marc. La classe, ça ne s'achète pas. Dans la mesure où je n'ai pas de classe, je crois que je peux aisément me permettre un vulgaire manquement à toute civilité. Comme quoi, par exemple? Comme ça. Oh. Mélanie!
Je t'apporte une bonne orangeade, je sais que tu adores ça. Et mal élevée en plus. Décidément, Marc. Je préfère de loin être mal élevée que de ressembler à la garce dégoulinante de prétention que tu es. Mais arrêtons, je vous en prie, s'il vous plaît. Écoute, ta délicieuse amie m'a cherchée toute la soirée, alors ne compte pas sur moi pour me laisser faire, d'accord? Tu te fais décider. Alexia est juste directe. D'accord. Dans ce cas, qu'elle accepte que moi aussi je sois directe. S'il vous plaît, accompagnez cette demoiselle à la sortie. Ne me touchez pas. Stop, stop. Allez, viens, on y va. C'est bon, on part. Dire que je t'admirais. Dommage qu'une aussi jolie réussite professionnelle ne t'ait pas aidé à devenir un être humain. Allez, viens.